Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin. Alors, bon, généralement, les gens pensent que la NSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, s'exprime assez peu. En fait, c'est faux, mais c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément s'exprimer lors d'un événement comme le Paris Open Source Summit. Ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler de ce que fait l'ANSSI sur les logiciels libres. Et puis, j'aimerais aussi ouvrir un petit peu cette problématique qui est les logiciels libres et la sécurité de l'État. C'est pas un sujet qui est extraordinairement facile, parce que c'est un sujet qui est éminemment complexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous présenter un petit peu la NSSI, de façon assez succincte. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'on fait. La NSSI, qui est en réalité une très vieille maison, même si dans son incarnation actuelle, elle est assez récente, à peine quelques années, la NSSI, c'est l'autorité de cyberdéfense et de cybersécurité nationale. Donc notre mission, en quelques mots, c'est de sécuriser et de défendre l'État, les infrastructures régaliennes d'une manière générale, les ministères, et puis des acteurs privés ou publics, qu'on appelle des organismes et opérateurs d'importance vitale. On essaie de les défendre, ou en tout cas d'améliorer leur sécurité informatique, la sécurité de leur système d'information. Et bien entendu, j'allais dire en cascade, après, ben, ça peut être les collectivités, ça peut être d'autres entreprises, et malheureusement, on ne va pas jusqu'aux citoyens. On est 600 personnes, à peine, probablement un petit peu même moins. Donc il faut savoir être humble et se focaliser sur les projets les plus importants et avoir des priorités. Alors concrètement, les métiers de la NSSI sont divers et très clairement ils sont centrés sur bien évidemment la sécurité informatique, sur la cybersécurité, mais vous allez avoir des gens qui vont être dans l'opérationnel, qui vont travailler effectivement au jour le jour sur des problématiques d'attaque, sur des attaques en cours. Et puis, vous allez avoir des gens qui vont faire, ils vont réaliser des systèmes sécurisés. Vous allez avoir des gens qui vont être dans un rôle d'expertise et d'assistance technique sur l'architecture, sur des préconisations techniques, des préconisations organisationnelles parfois. Et puis, vous allez aussi avoir des gens qui vont être dans l'expertise et la connaissance des produits de l'écosystème de l'écosystème des services qui ont trait à la sécurité. Et là, c'est là où je voudrais en venir. Tout d'abord, la sécurité, c'est pas juste d'avoir les meilleures offres des meilleurs éditeurs. La sécurité, c'est aussi d'avoir des systèmes d'information qui soient sécurisés, qui soient bien configurés, qui soient rationnels dans leur implémentation, dans leur déploiement. C'est donc, en réalité, avoir connaissance et avoir une compréhension de la typologie de risque à laquelle votre système ou vos systèmes d'information sont exposés ou peuvent être exposés. Et tout ça, donc, ça forme un métier. Et là-dedans, dans cet écosystème, on a les logiciels libres. On a les logiciels libres, alors on a des logiciels libres à côté des logiciels propriétaires. Et aujourd'hui, je pense que vous ne repartirez pas en vous disant que voilà, la NSSI privilégie les logiciels libres. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la question, selon nous. Un jour est arrivée une faille qu'on appelle Heartbleed. Je pense que vous connaissez tous ce que c'est qu'Heartbleed. Et bien pourtant, Heartbleed, c'est quelque chose qui fondamentalement va à l'encontre de ce qu'on peut entendre souvent dans le milieu de l'open source, qui serait de dire que finalement les logiciels libres sont par nature ou par essence plus sécurisés que des logiciels propriétaires. Et là pourtant, la faille était béante, la faille était terrible, la faille était brutalement simple. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas vous refaire le film. D'ailleurs, à mon avis, ça c'est mon avis propre, mais le problème sur Heartbleed n'est pas que informatique. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que les logiciels libres sont des facteurs d'amélioration de la confiance. De la confiance, précisément par leur nature ouverte, par leur licence,
par la disponibilité et la lisibilité du développement, de leur développement et de leur communauté. Et ça, c'est un facteur qui, quand on va parler de la protection de l'État, bah, c'est quelque chose, et la protection des systèmes d'information de l'État, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. Alors concrètement, l'ANSI et les logiciels libres, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est trois grands axes, c'est trois grands axes d'action. Et je vais prendre, je vais aller de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Le premier type d'action, et c'est quelque chose que l'on fait depuis très longtemps, et bah, c'est tout simplement, nous on fait des logiciels libres. Et oui, l'ANSI fait des logiciels libres. Vous pouvez aller sur notre dépôt, alors on a un dépôt qui s'appelle un dépôt sur GitHub, la façon la plus simple. Vous allez sur github.com/ANSSI en lettres capitales, /fr. Et là, vous allez voir des logiciels que nous développons, principalement nos laboratoires. Alors, ce sont des logiciels métiers, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire que ce sont des logiciels qui vont être des logiciels pour de la gestion et de l'analyse de LDAP, de l'analyse, enfin tout ce qui va être des directories d'une manière générale. Ça va être des logiciels de parsing, de protocoles, de formats, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est une liste qui est assez impressionnante. Je n'ai pas fait le compte, mais je crois que récemment, on en était quand même à 26. Alors 26, c'est des logiciels de taille très différente. Souvent, c'est des petits logiciels, en termes de lignes de code, bien sûr. Mais si vous les regardez, si vous les étudiez un petit peu plus près, vous verrez aussi qu'il y a un vrai savoir-faire. Ce n'est pas quelque chose que vous rencontrez tous les jours. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un dépôt public, ouvert. Et donc, bien entendu, c'est GitHub, hein, donc vous pouvez contribuer avec grand plaisir. Ça, c'est le premier axe. L'ANSI fait ses logiciels. Elle ne fait pas tous ses logiciels, mais elle fait des logiciels. Et quand elle en fait, bah, souvent, ce sont des logiciels libres. Le deuxième axe, c'est un axe fort sur lequel on a communiqué assez récemment, qui est des partenariats stratégiques. L'ANSI s'engage auprès de fondations. Récemment, nous avons rejoint une fondation qui s'appelle l'OISF, l'Open Information Security Foundation, qui aide à développer, qui est un petit peu la maison mère, d'un logiciel open source qui s'appelle Suricata. Alors, c'est pas le lecteur PDF. Suricata, c'est un moteur, en fait, un moteur de détection. Et ça nous a paru important parce que, vous savez, la détection... c'est quand même, alors c'est complexe, c'est un art, c'est tout un état de l'art même, mais sans la détection, dans l'espace, dans le cyberespace, si vous n'avez pas de détection, vous n'avez pas d'yeux, vous n'avez pas d'oreille, vous n'avez pas de nez, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous pouvez avoir les meilleurs logiciels du monde, vous êtes aveugle, au minimum. Ça, c'est la première chose. Et on est en fait, on s'est engagé auprès de l'OISF, non seulement en termes de ressources, financière, matérielle, mais on s'est aussi engagé en termes de ressources humaines, puisque nous aidons aussi, là encore, à développer ce projet. Il y a d'autres considérations, il y a d'autres possibilités d'engagement sur d'autres projets de la sorte. Troisième axe, enfin, c'est un axe, j'allais dire, de soutien et d'assistance. On sait bien qu'au sein de l'État, et d'une manière générale, au sein tout simplement du secteur privé ou public, quel qu'il soit, il y a une kyrielle de briques et de composants libres qui sont utilisés. Et il faut se le dire, souvent même, ces briques, ces composants, sont en réalité ou font partie d'offres ou de packaging qui eux-mêmes sont censés être propriétaires. C'est même assez courant en réalité, quand on regarde un petit peu objectivement la masse de code qu'on voit arriver. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir des composants qui, quand vous les regardez comme ça, ce ne sont pas des logiciels de sécurité informatique en tant que tels. Mais, pour plein de raisons, notamment en raison de leur prévalence, notamment en raison de leur criticité, on va avoir un besoin réel d'accompagnement et d'assistance. Et ça passe effectivement... parfois par le biais de mise en place d'audit en vue d'une certification de sécurité. Et c'est quelque chose qu'on a fait par le passé et qu'on va être amené à faire de plus en plus. Voilà, donc ce sont trois axes.
Ce sont trois axes qui sont finalement des grands axes d'action qui, je pense, sont assez pragmatiques. Parce que, encore une fois, on sait que quand on va aborder ces thèmes, on doit nécessairement avoir une vision d'une situation complexe. Mais la meilleure réponse à apporter dans ces cas-là, c'est avoir des actions pragmatiques et nuancées. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé et ça vous aura peut-être mis la puce à l'oreille pour aller contribuer sur nos projets. Et je vous remercie.